Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour la main droite que j'appelle la technique dite percussive parce que je vais vous apprendre à faire des notes fantômes, dites des ghost notes. Alors, vous avez évidemment un document qui accompagne cette vidéo. Voici la démonstration. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous réexplique. 1, je vais pincer tout simplement avec mon pouce. Sur le deuxième temps, je pinçais avec les doigts. Le troisième, je tapais. Mais regardez bien, il s'agit juste d'un pivot. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose que l'on va faire du haut vers le bas. Donc, je vais juste pivoter sur ma main et en gardant la même position, arriver directement sur les cordes. Ce qui va me permettre de faire entendre ce son-là. Ce son-là, c'est juste la corde métallique qui va claquer sur le plan de frette. Et donc procurer un effet percussif. C'est ce que l'on appelle une ghost note parce que ce n'est pas un do, ce n'est pas un fa, ce n'est pas un ré. C'est juste une note destinée à être percussive. N'oubliez pas, il ne faut pas appuyer avec votre pouce sur la corde, il faut le laisser rebondir, tout simplement pour avoir un son sec. Donc voici. 1, 2, 3, 4. 1. 3, 4. Notez bien que sur le quatrième temps, je garde mon pouce posé sur la corde de mi. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez poser avec les accords. Donc, mettons par exemple Do majeur. Mi mineur. Sol majeur. Voilà. Donc là, c'est une base. Ce que vous pouvez évidemment faire, c'est rajouter d'autres notes. Ce que vous avez sur le document, c'est un exemple avec les cordes à vide de la gamme de mi majeur et de la gamme de mi mineur, avec tout simplement deux doigts. Pouvez le faire avec cette technique aussi, hein.